au bord de la mort, comme toujours. Allô tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Dans le fond, on est mercredi le 23 juin, veille de la fête nationale. Puis, je voulais vlogger un petit peu aujourd'hui pour vous donner les nouvelles. Dans le fond, je me préparais pour aller à mon dernier rendez-vous de suivi avec mon médecin à Québec. Fait que, c'est ça, je suis à 36 semaines. Excusez, j'ai de la misère. J'ai les bras faibles. Ce qui s'est passé dans les derniers jours, ben, c'est que mon chum a déménagé tous nos meubles en Ontario, toutes nos choses. J'ai profité des derniers moments avec mes amis, avec mes proches. J'ai profité de la piscine, j'ai profité du beau temps. Et le déménagement, ça s'est bien passé, honnêtement. On a été chanceux d'avoir de l'aide, là, parce que moi, j'étais pas tellement efficace. Ben, tu sais, j'étais efficace pour faire les boîtes, puis faire la mop, la balayeuse, tout ça. Mais sérieux, là, ouh, c'était pas évident. J'étais brûlée, brûlée. Après, j'avais mal partout. Et plus que j'ai eu mal comme j'ai jamais eu mal dans ma vie, comme au corps, là. Je trouve comme pas de position. Je peux faire des bras. Ben ouais. Et je me rends compte que j'ai plus 20 ans. Fait que, en tout cas, tout ça c'est fait. La seule chose, c'est qu'on a eu une petite déception, là, la maison. Ben, t'sais, en fait, on l'avait visitée par Zoom. Fait que, t'sais, c'est sûr que on s'attendait à ce que ce soit, t'sais, peut-être différent de ce qu'on avait vu. Mais mon chum, il trouve que c'est vraiment plus petit que ce qu'on pensait. Fait que notre divan, on pensait qu'il allait rentrer dans le sous-sol, mais il passe pas dans le cadre de porte, puis il rentre pas non plus au rez-de-chaussée. Fait qu'il va comme falloir le vendre, puis en acheter deux nouveaux. Un pour le rez-de-chaussée, puis un pour le sous-sol. Des petites affaires de même. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Fait qu'il nous reste juste, dans le fond, 3 jours. Finalement, on part dimanche le 27. À part ça, c'est ça. On profite des derniers jours qui nous restent. J'en profite pour voir le plus possible mon monde. Puis profiter de la piscine, parce que j'en aurais pu. Puis c'est ça. Fait que j'aimerais ça vous faire un petit empty apartment tour. Cet après-midi, en revenant chez le médecin. En ce moment, il me reste juste un matelas gonflable, puis une table de cuisine pliante. Puis mon amie, trop gentille, est venue me porter une chaise, parce que là, je savais comme pas où, tu sais, passer mon temps, là. Mettons, les chaises pliantes, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour rester là, assis des heures, puis écouter une série, mettons. Fait qu'aujourd'hui, le plan, c'est que je m'en vais chez le médecin. Après ça, faut que j'aille faire des commissions. Faut que j'aille au vétérinaire chercher des médicaments pour mon chien. Je vais faire une petite réserve, étant donné que là, on n'a pas de vétérinaire en Ontario. Sinon, ça a l'air niaiseux, là, mais faut que j'aille au renombré. Parce que j'ai une carte cadeau, puis ben, y a pas de renombré en Ontario, mais sûrement que ça fonctionne en ligne, là. Mais en tout cas, je vais être dans le coin, de toute façon, le vétérinaire est à côté. Fait que je vais faire ça. Je dois acheter du produit nettoyant au Walmart. Puis, qu'est-ce que je veux faire? Ah, faut que je nettoie le frigo parce qu'on le vend. Puis les personnes viennent le chercher demain. Fait qu'il faudrait que ce soit vidé et nettoyé. Sinon, faut que j'aille chercher mon chum au travail parce que là, j'ai plus d'auto. Dans le fond, il a monté mon auto en Ontario pour qu'on puisse monter, nous, juste à un auto. Là, puis pas monter dans 2 autos séparés quand on va partir dimanche. Au cas qu'il se passe de quoi, là, que j'ai une contraction, peu importe, on dirait que je voulais... Ben aussi, la route, elle va être vraiment plus fun à deux, là, mais on dirait qu'on voulait pas prendre des chances de se suivre puis monter dans 2 autos différents, là, fait qu'on va monter dans le même auto. Fait qu'il a monté déjà mon auto en Ontario, j'ai pas d'auto, fait que je suis allée le porter au travers matin pour avoir un moyen de transport aujourd'hui. Puis, je vais aller le rechercher tantôt. Après ça, ce soir, j'aimerais ça aller prendre des petites photos de bédaine. Je trouve que ça fait un petit bout que j'en ai pris. Puis je veux vraiment, tu sais, je veux vraiment immortaliser tous les moments qui me restent avec ma bédaine. Après ça, on va voir des amis ce soir. Tranquille, là, je pense qu'on va juste faire un petit feu à l'extérieur. Fait que c'est pas mal ça pour la journée. Fait que j'essaie de vous amener le plus possible avec moi. Puis ben, là, je vais aller m'habiller parce que mon rendez-vous est dans 25 minutes. Fait qu'il faut que je parte. Je pense qu'il va pas s'en sortir. Il est crevé. Il a eu des grosses journées. Il a pas aimé ça le déménagement. Willy, là. Ah, il était tellement stressé, pauvre petit loup. Pauvre petit loup d'amour. Je suis présentement dans la file du Starbucks parce que j'ai le goût d'avoir un petit refresher. J'arrive de mon rendez-vous de suivi chez le médecin. Elle avait vérifié la position de bébé. Elle a fait une petite échographie avec son échographie portable. Puis, super bien placé. Prêt à sortir. J'aimerais ça qu'il reste encore un petit 3 semaines. Par contre, je ne l'ai pas vu.
Ah, mais le pas montré avec sa petite écho, mais tu sais, je comprends que les images, en tout cas, c'est pas des belles images, puis c'est tout petit, puis c'est juste pour vraiment voir si le bébé est bien placé, là, fait que, ouais. Fait que là, j'attends dans la file qui est toujours, ma foi, interminable au Starbucks. Après ça, je vais aller au Walmart acheter un refill pour... Il faut que j'achète un refill pour notre... mop. En tout cas, je sais pas, je parle le nom. J'en perds mes mots. C'est là que j'en suis. Fait que je suis vraiment contente d'avoir eu des bonnes nouvelles de mon petit bébé. Ça me fait vraiment bizarre de dire que c'était mon dernier rendez-vous là-bas. Tellement bon. Ever felt this way about anyone else? When you fell into me, I didn't know what to say. Rebonjour, fait que je me réveille d'une sieste. Après être arrivée chez nous, j'étais tellement fatiguée là, ces temps-ci, j'ai comme des coups de fatigue en fin d'après-midi. Mais ouais, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés pour Benjamin. Et dans le fond, j'ai acheté 3 livres de l'auteur Élise Gravel parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Puis honnêtement, je savais pas, je connais pas les livres pour enfants ni pour bébés. J'ai pris Une patate à vélo qui est super populaire. Là, c'est surtout lui que j'ai entendu parler. J'ai pris aussi C'est moi qui décide. Et j'ai pris Je suis terrible. Sinon, de d'autres auteurs, j'ai pris Une doudou et les émotions. Fait que ça l'explique, les émotions. Sinon, j'ai pris Bon dodo loulou et Maurice classiciste. J'avais été sur Google, puis j'ai écrit meilleur livre pour bébé. Puis c'est pas mal ceux qui sont sortis. Mais si jamais c'est quelque chose que vous connaissez, puis que vous avez des recommandations à me faire pour l'avenir, c'est sûr qu'ils n'utiliseront pas tout de suite, comme je dis, mais je serais venue curieuse de savoir si vous avez des préférés ou si vous en avez à recommander. Fait que là, je vais me changer, puis on va aller prendre des photos. You fell into me and I didn't know what to do. Cause you fell into me and I fell backwards too. But now I know how it feels to fall in love with you. And now I know how it feels, and I hope that you know too. Cause I never felt this way about anyone else. Mon allure, sérieux. Je sors de la piscine, puis on est rendu le lendemain. Sauf que j'ai oublié de vous montrer mon appartement. Fait que je vais faire une petite usine. Mais écoutez, là, soyez pas trop regardants parce que j'ai pas fait de ménage. Ici, c'est la vraie vie, là. Fait que c'est ça que ça a l'air en ce moment. Fait que je vais essayer de pas trop vous étourdir. Oh. Ouais, c'est ça. Donc, on rentre ici dans l'appartement. Comme ça. Ici, c'était, en fait, la salle de lavage. Que j'aimais beaucoup parce que il y avait du rangement, il y avait beaucoup de place pour la laveuse sécheuse, puis il restait de la place pour ranger d'autres choses ici. On avait le garde-robe d'entrée, qui reste pas grand-chose dedans. Un garde-robe d'entrée à 2 portes comme ça. Fait que quand on continue, quand on allait vers la gauche, il y a un petit corridor ici. Et ici, c'est un armoire à serviettes que je pense qu'il reste pas grand chose. Ouais, il reste pas grand chose non plus. Et après, c'était la salle de bain. Puis la salle de bain, là, je vais m'en ennuyer à cause du bain. Là, il y a mon maillot de bain qui est en train de sécher. Je vais vraiment m'ennuyer d'avoir un grand bain parce que je sais que mon bain sera pas aussi grand que ça en Ontario. Fait que c'était la douche, le bain, la vanité. Puis honnêtement, c'était très pratique là parce que il y avait beaucoup de rangements. Et ça va me manquer aussi parce que c'est pas quelque chose qu'on a en Ontario. Ensuite de ça, en face de la salle de bain, c'était la chambre. Ici, vous pouvez voir Willy qui se repose. Et ça, c'est un matelas gonflable. Mais la chambre est quand même grande là, si vous voyez. Dans le fond, nous, on avait un leaking puis il y avait encore bien de l'espace. Et comme vous voyez, il reste plus rien. Par nos bagages, c'est la pile de bagages à mon chum.
Ça, c'est la mienne. Voici la chambre vue d'un autre angle. Puis, une chose que j'ai vraiment aimée ici, là, c'est nos planchers, honnêtement, sont indestructibles. Notre chien n'a jamais fait une égratignure dessus, puis j'aimais vraiment la couleur qui était comme pas trop pâle, pas trop foncée. C'était vraiment pas salissant. Fait qu'ici, on se dirige vers le garde-robe walk-in. Je vais allumer la lumière. Qui ressemble à ça. C'est ce qui reste. Hein? Fait que voilà. Et ce côté-là aussi. Et qu'il y avait quand même vraiment beaucoup d'espace là ici. On avait chacun un côté, moi puis mon chum. On avait même mis des meubles de rangement ici pour vraiment maximiser l'espace. Après, on continue ici. Puis dans le fond, tout de suite à côté de notre chambre, il y avait une autre chambre. Nous, on l'utilisait comme bureau pour mon chum. Alors voilà, il y a la petite cage à Willy, le siège de dos de notre bébé. C'est ça, fait qu'il y avait des vraiment beaux grands garde-robes partout. Là, je ne vais pas ouvrir ça pour rien. C'est une des choses qu'on appréciait d'ici. Et ensuite de ça, on continue et vous voyez maintenant notre cuisine qui est une table pliante, notre salle à manger, pardon. Fait que ça, c'était le salon. On aimait vraiment aussi les belles grandes fenêtres là, qui font tout le mur dans tout l'appartement. Par contre, il y a un toit, tu sais, par-dessus notre balcon à l'extérieur. Puis la bâtisse qui est en face que vous voyez, là, ça faisait en sorte qu'on n'avait jamais vraiment de soleil direct. Là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment moins aimé. Comme là, vous voyez, tu sais, il est 3h de l'après-midi puis c'est quand même sombre. Fait que ça, c'est le salon. Mon ami m'a prêté une chaise pour que je sois confortable. Et ça, c'était la salle à manger. Comme ça. Et ça, c'était la cuisine qui est maintenant vide. On n'a plus d'électro, on n'a plus rien. Et on a vendu nos électros. J'ai beaucoup aimé que mon îlot était super grand. Par contre, une chose que je ne referais pas si on avait à se construire une maison ou rénover une cuisine, c'est que je ne voudrais jamais avoir le lavabo en plein milieu de l'îlot. Je trouve que ça coupait vraiment l'espace de travail, puis c'est quelque chose que je referais pas. Ben que je referais pas. Ici, c'est pas moi qui l'ai décidé, là, on s'entend. Le garde-manger ici. Puis le garde-manger, je l'aimais vraiment, les essentiels. Mais j'aimais vraiment que ce soit des tiroirs comme ça. Ça, là, c'est sûr que je vais vouloir ça dans ma cuisine parce que ça te permet de pas perdre des choses dans le fond de l'armoire que tu oublies que t'as parce que t'as pas accès puis que tu vois pas. Une autre chose que j'aimais, c'est qu'on avait vraiment beaucoup de tiroirs profonds pour le rangement. Là. Il nous reste un petit peu d'affaires. Fait que je trouvais ça super pratique. Comme ça, on pouvait ranger les choses. Puis je trouve que c'est un peu comme les armoires. Je trouvais ça vraiment pratique parce que tu as vraiment accès à tout. Tu sais, dans des armoires, des fois, quand c'est trop profond, tu n'as pas accès au fond de l'armoire facilement. Donc, c'est ça pour les tiroirs et la cuisine. Elle n'est pas à son meilleur jour, tu sais, je vais vous le dire, là. Mais c'est ça. Et ben pour l'extérieur, je peux vous le montrer quand même, vous savez où j'habite. Cette vidéo-là va être postée quand je vais avoir quitté. Mais dans le fond, nous, on avait accès au rez-de-chaussée, fait que c'était pratique pour Willy. On essayait de ne pas le sortir là le moins possible là, pour pas déranger les voisins, puis tu sais, qui salissent, ben, qui brisent le gazon. Mais des fois, on le sortait quand même, je vais vous l'avouer. Puis, dans le fond, ça, c'est un barbecue communautaire. Puis juste derrière, là, je sais pas si vous voyez, peut-être si je monte. En tout cas, ici, oh, ici, c'était la piscine. Fait que c'était vraiment le fun. Là, je sortais d'ici, puis j'allais directement dans la piscine. Très pratique. Mon Dieu. Je connais des clous. Je suis tellement fatiguée depuis quelques jours. On dirait que tout ce que je voudrais faire, c'est des siestes. Mais ça n'est pas possible. Fait que c'est ça. On a vraiment hâte. Ben en fait, j'ai vraiment hâte de partir parce que je suis un peu tannée de vivre dans rien comme ça. Fait que je pense que je vais terminer le vlog ici. Puis le prochain vlog que vous allez voir, ça va être sur notre déménagement officiel en Ontario. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit très très bientôt. Bye!